Au cours d'une croisière pour leurs vacances sur le yacht le Sloogie, 8 jeunes collégiens néo-zélandais, après avoir échappé aux pirates qui les avaient fait prisonniers, finissent, lors d'une tempête, par échouer sur une île déserte en plein cœur du Pacifique. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils s'installent dans une caverne qui a déjà été occupée autrefois, comme le leur prouve une macabre découverte. L'organisation de la petite colonie ne va pas sans mal et les dissensions commencent à se faire jour chez les jeunes gens. Mais il y a aussi une autre cause de malaise. Un mystère plane sur l'île. Des pièges inexplicables disposés un peu partout menacent chacune des sorties des garçons. Tout cela ne facilite pas la tâche de Gordon, le chef qu'ils ont élu. D'ailleurs, l'île apparaît de moins en moins hospitalière. Un jour, un incendie s'allume dans les roseaux. Et pourtant, personne dans la colonie n'a mis le feu. Et puis la neige arrive. Et Service, parti seul avec son chien, voit soudain surgir dans la brume une étrange figure humaine. Pris de panique, il s'élance pour rejoindre ses amis. Et glissant dans la neige, il tombe dans un ravin. Ça fait plus de 5 heures que Service est parti. Ça ne vous inquiète pas? Non, pourquoi? Bon. Oh, regardez! Il est arrivé quelque chose à Service, sûrement. On dirait qu'il essaie de nous attirer dehors. Parbleu, il veut nous conduire auprès de Service. Allons-y, suivons-le. Prenez Dick et Brillant avec vous. Eh bien, vous pouvez vous vanter de nous avoir fait une sacrée peur. Je l'ai vu. Vous avez vu qui? L'homme. Le naufragé, je l'ai vu. Quel naufragé? L'homme que nous avons enterré. Il délire? Non, non. Je vous jure. Expliquez-vous. Dans le brouillard, un visage étrange. Comme un revenant. Ce regard, je m'en souviendrai toujours. Service, écoutez-moi bien. Votre fantôme, qu'est-il devenu?
Le brouillard l'a englouti. J'ai couru vers lui. Plus personne. Et vous avez fouillé les alentours? Bien entendu. Vous avez rêvé, voilà tout. Non. Je l'ai vu, j'en suis sûr. Je sais ce que je dis. Oh, ce visage. Il avait une barbe et ses yeux brillaient. Ses yeux me fixaient. Une hallucination, c'est évident. En bonne logique, oui. Mais c'est, il me paraît par instant tellement bizarre que les raisonnements peuvent ne pas tenir debout. Pourquoi chercher midi à 14h? Service était à moitié engourdi par le froid et le brouillard aidant, il a cru voir un visage. Enfin, c'est courant, je vous assure. Et l'incendie des roseaux, vous l'avez oublié, vous? Certes, non. Mais à vouloir voir le mystère partout, on finit par brouiller les cartes. Tenez, buvez ça, service. Tu poses ça là sur le tas de bois. Danifan, regardez ce soleil. Si on allait visiter les plages. Avec l'hiver, je doute que tous nos signaux de détresse soient encore debout. D'accord, je vais avec vous. Depuis qu'on vit dans ce trou infect, j'ai une sacrée envie de me dégourdir les jambes. Je préviens Gordon et on y va. Pourquoi prévenir Gordon? Je trouve qu'il prend son rôle de chef un peu trop au sérieux. Ah, c'est vrai qu'il manque un peu de fantaisie. Bon, je vais chercher de l'étoffe pour réparer le drapeau et j'arrive. Voilà, Dick. Hé, les castors, qu'est-ce que vous diriez d'une balade? Pas maintenant. Gordon a dit qu'il fallait absolument réparer le toit. Nous avons du travail pour toute la journée. Alors, si Gordon l'a dit... Oh, Donifan, en passant, j'ai pris votre fusil. Oh, c'est inutile. Les oiseaux font les nids. C'est pas le moment de les chasser. Comme vous voudrez. Je viens de laver Fan. Dites, Gordon, si on s'amusait un peu aujourd'hui, il faut profiter de ce beau temps. J'aimerais bien en mettre tout en état avant d'établir un programme. Un programme, un programme. Vous ne nous parlez que de programme. C'est pire qu'à la pension de Sherman. Donifan et Brian sont bien partis, eux. Partis? Où ça? Mais se prenez, qu'est-ce que vous croyez? Et nous avons tous envie d'en faire autant, figurez-vous. Bon. D'accord. Disons que c'est la fête du printemps. C'est la fête du printemps, en quelque sorte. Interdiction de travailler. Ben, mon vieux, il est en piteux état, hein. Il était temps qu'on le change. Il tient le coup, le Sloopy. On pourrait changer aussi celui de la plage sud. Tu l'as vu, cet homme, toi aussi. Hey! Alors, vous avez fini? Allez.
faim, moi. C'est ça, mettez ça ici. Allez chercher le fromage. Vous auriez pu me prévenir que vous partiez. Nous avons été changer le pavillon. Il en avait bien besoin, vous savez. Oh, mais j'aurais aimé le savoir. Vous avez l'âme d'un fonctionnaire, Gordon. Tout le monde ne peut pas avoir un lord pour oncle. Je ne vous le fais pas dire. Où est-ce que vous allez encore? On va bientôt manger. J'appairai près du ruisseau la trace d'un sanglier. Je vais me mettre à l'affût. Où avez-vous mis mon fusil? Votre fusil, je n'y ai pas touché. Mais qui, alors? Est-ce que je sais, moi? Qui a pris mon fusil? Personne. Ah, ça, me prenez-vous pour un benet? J'ai vu Brillant le déposer le long de la cabane avant notre départ. Ah oui, je l'ai mis là. Je vous assure que personne n'y a touché. Si c'est une plaisanterie, elle a de mauvais goût. Alors, où est-il? Oh, écoutez, ça va, on a marché. Maintenant, rendez-lui son fusil, c'est pas une blague, cette histoire de sanglier. Vous ne plaisante pas, je vous jure qu'on ne sait rien. Vous me paierez ça, je vous préviens. Il le retrouvera sûrement à l'intérieur. Impossible, j'ai mis là-bas moi-même. Mais enfin, je vous jure... Ah, écoutez, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais je commence à trouver ça d'un goût détestable. Et moi, je trouve bien étrange votre soudaine complicité. Quelle complicité? Pourquoi faudrait-il croire votre version plutôt que la nôtre? Mais vous êtes complètement fou, non? Qu'est-ce que vous faites? Je prépare mes affaires pour partir. Allons, Denis Fan, il s'agit d'un malentendu. Non, aucun malentendu. Vous me permettez d'emporter quelques provisions? Du reste, ceci n'est que la goutte qui fait déborder le vase. Depuis longtemps, j'attendais le retour de la belle saison. Dieu merci, cette île est assez grande pour que l'on n'ait pas besoin de rester les uns sur les autres. Vous vous trouvez fort bien dans votre petite colonie? Moi, elle m'écœure, voilà. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de liberté, je ne trouve ni l'un ni l'autre. Voyons, Denis Fan. Oh, inutile de discuter, Gordon. Nous avons de la vie des conceptions différentes. Pourquoi devrions-nous nous forcer à cohabiter? Ah. À défaut du mien, je prendrai celui-là. Mais vous n'allez pas partir comme ça tout de suite. La nuit va tomber. Où irez-vous? À l'aventure, cher ami. À l'aventure. Vous ne comprendrez jamais. Denis Fan, vous partez? Oui, je pars. Je peux venir avec vous? À dire vrai, je l'espérais, mon ami. Et moi, vous me laissez ici? Mais bien sûr que non, service. Vous aussi, service? Vous ne vous trouvez pas bien avec nous? Je n'ai pas dit que je n'étais pas bien. Je croyais que vous teniez au moins vos chèvres. Garnett et Baxter seront les soignés. On serait très bien ici, non? Hein? Et puis il y a de l'eau. On s'installe ici pour quelques jours, après on verra. On fait une cabane ou quoi? Au diable les cabanes, mon vieux. Je m'étonne que vous ne soyez pas parti avec eux. Pourquoi? Rappelez-vous la première fois sur la plage. Vous aviez suivi Denis Fan? Oui, mais c'était différent. On ne savait pas encore qu'on était sur une île. Et puis j'étais au service de Lord Buchanan. À présent, je sais qu'il ne peut aller bien loin. Et je vois peut-être les choses autrement aujourd'hui. Écoutez, Gordon, j'aimerais bien faire un petit tour jusqu'à l'épave du Slougier. Nous avons besoin de planches pour réparer les bancs. Oui, allez-y. Quand je pense que Brillant voulait brûler tout ça... Devant, je vais chercher la lunette. Force, passe-moi la lunette. Donne. Je crois que c'est notre île. Oui, c'est sûrement notre île. Depuis le temps que j'attendais ce moment... Calme-toi.
Bon sang, vous ne vous êtes pas trompé. On est sauvés. J'avoue que je commençais à ne plus y croire. Il est déjà une chaloupe à la mer. Couchez-vous vite. Mais qu'est-ce qui vous prend? Au nom du ciel, obéissez. Forbes et Pike sont dans la chaloupe. Vous êtes sûr? Absolument. Je suis persuadé qu'ils nous cherchent. Ne dites pas de bêtises, Garnett. Ils n'ont aucun moyen de savoir que nous sommes là. Mais s'ils ont trouvé notre bouteille? Ah, c'est vrai, j'avais oublié cette bouteille. J'ai l'impression que vous n'y êtes pas du tout. Ils cherchent une île avec un trésor. Et s'ils voulaient le Sloogie, c'était pour ça. Ce serait sur cette île-là? Ben oui, il peut être le trésor, on ne l'a jamais vu, non? Si vous voulez mon avis, eh ben, au lieu de discuter, filons avant qu'ils nous repèrent. En route! Ouais. Hé, hey, regardez un peu là-haut. Où ça? Là-haut. Oh. Ça, j'avoue que j'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce pavillon? C'est peut-être un bateau qui a fait naufrage. Bah voyons, on est à des centaines de milles des routes maritimes habituelles. S'il y a eu des naufragés, où sont-ils? Ah, ils doivent être vivants, la toile du pavillon est toute neuve. Alors pourquoi on voit personne? Les naufragés, d'habitude, ils surveillent le large. Une poignée de naufragés ne représente aucun danger. Quand ils verront le bateau à l'ancre, ils se montreront et on les liquidera. Pour l'instant, allons faire une petite reconnaissance. Toi, Cobb, va voir par là, pour reconnaître le terrain. Et vous autres, ne bougez surtout pas d'ici, hein? Et donc, cette île a l'air d'être beaucoup plus grande qu'on ne pensait. On va en baver pour trouver le trésor. On va passer toute sa surface au pays fin. Il s'agit d'être méthodique. On va commencer par ce côté-ci. D'abord trouver un endroit pour camper. C'est peut-être par là qu'on a le plus de chance. Ici, qu'est-ce qu'ils espèrent, hein? Me dépouiller, évidemment. Tu vois, regarde bien. C'est ça qu'ils veulent, tous ces gens-là. C'est ça. On est allé couler le radeau, ça n'a pas été commode. Oh, on en construira un autre. Pour l'instant, l'important, c'est de cacher tout ça. Vous, Garnett. Quand je pense au mal qu'on a eu. Le plus grave serait d'être vu par Forbes et Pike. Allez, laissez-nous faire. Ouais. Allez, ouais. Rangez-moi ce matériel. Vous, mettez ça là. Là? Bon, d'accord. Alors, je t'ai dit de chercher les naufragés. Ah, t'es vraiment pas malin, hein? Ah, j'ai trouvé personne. Pas malin. Alors? Toujours rien. C'est quand même bizarre. En tout cas, il faudra les trouver. Je me demande où ils ont pu passer. Espérons qu'ils viendront ce soir en voyant nos feux. Ils n'ont peut-être pas vu l'autre bateau. C'est
Pas à l'intérieur de l'île qui serait par hasard. Ralston, il faudra que tu disposes des sentinelles tout autour du camp dès qu'il fera nuit, hein. Eh oui, figure-toi que j'y avais pensé. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Un jour, il y a longtemps, dans la cabine du capitaine Hull. Vous avez fumé la pipe? Bien sûr. Vous voulez essayer? Je peux essayer, moi aussi. On lui donne? On lui donne. Bon, moi je vais alimenter le feu pour la nuit. Alors, il y a des feux, comme nous le pensions. Mais il faut savoir lequel est celui de Doniphan et lequel celui de Forbes. Où sont-ils? Ben, y en a un là qui doit se trouver à environ 1 mille, et l'autre est là, un petit peu plus loin. Pourvu qu'ils ne prennent pas la fantaisie à Doniphan de tirer un coup de fusil. Cette nuit, ça m'étonnerait. Et demain, dès l'aube, j'irai le chercher. Et vous irez le chercher où? Là ou là? Oh, je n'en ai pas la moindre idée pour l'instant. Et si vous tombez sur les autres? Je tâcherai de ne pas me faire voir. Bon Dieu, quelle histoire! Maintenant, il faut cacher l'échelle. Ouais. Allez. Et tirez. Allez. Il n'y a pas de pirates. Recouchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est rien. Le petit a fait un mauvais rêve. Allez, couvrez-vous. Vous allez attraper froid.
Il y en a un qui va être content. C'est le capitaine Force. Collins! 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 Forbes! Ouais. Viens ici! Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite! Regarde! À vous l'honneur, Brillant. Je vous laisse 5 coups d'avance. C'est par là que ça vient. Allez, 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 debout et prenez vos armes. Allez, remuez-vous. Cette fois-ci, on les tient. Allez, vite. Attention, c'est votre dernière balle. Bravo. Il était temps. Allons, c'est pas si mal que ça. Non, c'est pas si mal. Arrêtez de tirer. Vous ne savez pas ce qui nous arrive. Mais qu'est-ce qui vous prend? Forbes et Pike. Ben quoi, Forbes et Pike? Oui, ils viennent de débarquer. Vous êtes fous, Dixon? Ils sont sur l'île, je vous dis. Dépêchez-vous. Le chien, ce sont les garçons du Snooki. T'en es sûr? Alors c'est donc eux les mystérieux naufragés? Eh ben ils ont eu de la chance de s'en sortir vivants. Et le trésor? Ah, le trésor, bien sûr, mais il faut d'abord retrouver ces morveux pour les liquider une fois pour toutes, tu comprends? Voilà des traces de pas. Il y en a plusieurs. Continuons. Attendez-moi, les gars, pour l'amour du ciel, vous voyez bien que je me suis foulé la cheville. Ça suffit comme ça. On est en train de perdre notre temps. On retourne au bateau, allez. Il faut qu'on prenne des munitions et des vivres. En route! Allez, maintenant on peut y aller. Qui était à bord? Evans, c'est Patrick. Tes deux compères, Valston. Mais j'y comprends plus rien, moi. C'est impossible, voyons. Ce sont des types réguliers, Forbes, je te le jure. Et puis quel intérêt ils auraient?
Mais c'est peut-être un coup des gosses, après tout. Non, puisqu'on vient de les voir, et du reste, la chaloupe n'a pas bougé, que je sache. On peut dire qu'on est dans de beaux draps, hein. Oh, dis-moi, hey, commence pas à pleurnicher, Pike. Peut-être qu'ils ont seulement changé de mouillage pour une raison quelconque. Allez, un peu de courage. Rien n'est perdu, il faut quadriller cette île, mètre carré par mètre carré, compris? Et je vous donne ma parole qu'on trouvera tout. Ces sales gosses, le navire et le trésor, venez. Si c'est vraiment un trésor qu'ils cherchent, ils risquent de rester un moment. Surtout que maintenant, ils nous ont vus. Mais oui, si vous étiez resté avec nous aussi. Oh, écoutez, Gordon, inutile de revenir là-dessus. Il ne vaut pas nous reprendre. Mais non, il n'y a aucun danger. Notre cachette est trop bonne. À la condition express de ne pas en sortir. Moi, il n'est pas question que je sorte. J'ai pas eu le temps de vous dire ça, mais avant de vous retrouver, je suis tombé sur le camp de Forbes et des pirates. Un homme de garde me voit, il me met en joue, et brusquement, il tombe. Une flèche dans le dos. Une flèche? Mais tirée par qui? Par qui? Ça, j'en sais rien. J'ai vu personne et je me suis sauvé en vitesse. C'est peut-être des sauvages? S'il y avait eu des sauvages dans l'île depuis longtemps, on en aurait entendu parler. Et l'homme que j'ai vu cet hiver? Ce serait une explication, en effet. Il doit tout de même y avoir d'autres solutions que de se terrer comme des lapins. Lesquelles? Eh bien quoi? Nous avons des armes, nous aussi. Pourquoi on n'essaierait pas de se défendre? Vous n'y pensez pas, ils sont plus nombreux que nous, habitués à se battre, et puis ce sont des bandits dangereux. Dangereux ou pas dangereux, ils ont un bateau. C'est à cela que je pense. C'est notre seul espoir de quitter l'île un jour. Par ici. Et toi, par là. Descendons tous. Allons voir ailleurs. Allez, venez. Hé, hey, regardez ça. Leur tanière doit pas être loin. Il faut les trouver à tout prix. Hé, hey, si chacun y met du sien, il n'y en aura pas pour longtemps, croyez-moi. Attendez un moment. Jackson. Tu vas rester là et tu vas monter la garde jusqu'à la nuit. Allons chercher les autres. C'est tout? Oui, c'est tout. On n'a même pas le droit à du thé? Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire de feu en ce moment. Oh, zut alors! Vous préférez peut-être être repris par force? Oh non, merci.
Alors taisez-vous. C'est pas une solution, Gordon. On n'a même plus d'eau potable. Il nous reste un baril de ginger ale. Que cela vous plaise ou non, demain matin, je sortirai. Non, je ne peux pas vous le permettre. Et comment m'en empêcherez-vous? Deux hommes seuls, une occasion unique pour nous. Qu'est-ce qu'ils font là? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il faut en profiter sans perdre une minute. C'est bien imprudent. Il serait encore plus imprudent de les laisser filer. Dès qu'ils se mettront en route, je ne leur donne pas 10 minutes avant qu'ils découvrent notre cachet. Mais oui, Donifan a raison. Du reste, en y allant à quatre, Donifan, Dick, Baxter et moi, nous ne risquons rien. Ils ne se méfieront pas, nous n'en ferons qu'une bouchée. Et ça fera deux adversaires de moins. Bon, dans ce cas-là, je vais avec vous. Non, Gordon, vous n'avez pas l'habitude de ça. Et puis, il faut que quelqu'un demeure avec les petits. On va se préparer à fuir, on ne sait jamais. Roulez les couvertures. C'est un piège pour nous éloigner de la cabane. Retournons, vite! Arrêtez! Allez, allez, vite! Dépêchons, vite, vite! Et il ne vous reste plus qu'à vous rendre. Vous n'avez plus aucune chance maintenant. Vous avez perdu. On se retrouve toujours sur cette terre. Le monde est petit, il n'y a pas de doute. Vous croyez déjà au bout d'une corde? Je vois que votre longue retraite ne vous a rien fait perdre de votre insolence, Weldon. Seulement, moi, j'ai plus envie de rire, jeune homme. Car vous m'avez abattu 3 hommes déjà. Voilà qui change radicalement la situation. Vous êtes complètement fou, Forbes, nous n'avons tué personne. Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez au moins le mérite d'être franc. Alors? Qui les a tués? Nous ne comprenons rien à ce que vous nous racontez. Est-ce que je dois en déduire que ces meurtres sont le fruit d'une action collective? Eh bien, il ne me reste plus alors qu'à vous châtier. Collectivement. Alors, emmenez-les-moi dans la caverne! Quand j'aurai le temps, j'irai vous interroger. Et je vous jure que je trouverai un système pour vous faire parler. Pike, il faut à présent retrouver ce bateau coûte que coûte. Et le trésor? Et le trésor, naturellement. Donner une bonne leçon à ces morveux. Oh, tu sais, il ne changera pas. On va voir ce que Forbes va faire. Allez, allez. Go, va voir de ce côté. Valston, va explorer par là. J'y vais.
J'ai fouillé partout, d'ici jusque-là, sans trouver quoi que ce soit. Ça tient pas debout, enfin. Il doit bien être quelque part, ce maudit navire. Oh, patience, patience. Lorsque Coop rentrera, si jamais il a rien trouvé, il faudra recommencer à zéro. Il reste le secteur qui est par là à parcourir encore. Alors, Coop? T'as vu quelque chose? Le bateau est introuvable, mais j'ai fait une drôle de découverte. Hein? Oh. C'est pas vrai. De l'or. Donne-moi ça. Il n'y a pas de doute, c'est de l'or. Où est-ce que tu as trouvé ça? Par terre, t'inquiète pas, j'ai bien repéré l'endroit. C'est là où nous avons entendu des bruits de cailloux hier. Oui, ben ça veut dire que le trésor est dans ce coin. Allons-y, il faudra qu'on retourne la terre mètre par mètre. Allez, dépêchons-nous. Imaginez ce système, Jim m'a traité de fou. Eh bien, aujourd'hui, ça va servir. C'est là que j'ai trouvé la statuette. Juste là, entre ces deux doigts. Il doit y avoir une cachette. Ah oui, mais où? Faites pas de bruit. Trésor. Tout cet or. C'est beau ça, hein? C'est une ferme en Australie. Des milliers et des milliers de moutons. Et ça, ça, c'est des pommiers comme ceux de mon village quand j'étais gosse. Et ça, ça, c'est une forêt et des hectares de blé à l'infini. Et ça, ça, c'est des centaines de têtes de bétail. Et ça, c'est des chevaux, des chiens de chasse. Et ça, 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 c'est des tas de femmes les plus belles du monde. Et ça, c'est un domestique en perruque. Et ça, une calèche pour me promener en ville. Et du vin, des caves entières, et puis une forêt remplie de gibier. Et ça, ça, ce sera la plus grosse beuverie qu'on aura jamais vue, avec tous mes amis réunis autour de moi. Non, mais vous ne comprenez pas, tout cet or est à nous, rien qu'à nous. Et toi, Forbes, qu'est-ce que tu vas te payer avec ta part? Moi?
crois pas que tu puisses comprendre. D'ailleurs, je ne sais même pas si cette montagne d'or me donnera ce que je cherche. Mais qu'est-ce que tu cherches donc de tellement rare? Le retour au passé. Tout s'achète ici-bas. Hein, tout. Sauf une chose. Le respect et l'estime de soi. Tout le reste ne compte pas. Tout le reste, c'est du vent. Si je ne peux pas redevenir l'homme que j'étais. Ouf. Dans le fond, je m'en fous. Parce qu'une chose est sûre, oui, j'ai de l'or, beaucoup d'or. J'ai tout l'or que je veux. Et si c'est pas assez pour apaiser ma propre conscience, j'achèterai celle de mes compatriotes. T'as entendu? On aurait dit un tremblement de terre. Ouais, si, si. Je vais aller voir. Donifan, arrêtez ou je tire! Il me semble que ça venait de là. Où ça? Derrière les arbres. Là-bas. Venez. Regardez. C'est lui, et j'en suis sûr. Qui ça, lui? L'homme que j'ai aperçu cet hiver. Mais ce n'est pas un pirate. Qui êtes-vous? Mais attendez, il faut d'abord le dégager. Inutile. C'est terminé. Ça l'est pour eux aussi. Ils sont tous enterrés. Forbes et les autres. Avec mon or. Tous enterrés là-dessous. Personne ne pourra plus me le prendre. Personne. Mais qui êtes-vous donc? Un naufragé comme vous. Un fou, je suis un fou. Et mais ce trésor, écoutez-moi, il faut que quelqu'un sache quelque chose de ce trésor pour éviter de le partager. J'ai sauvagement abattu mon meilleur ami. Alors le squelette, c'était donc votre ami? Jim. Jim, c'était quelqu'un. On ne se quittait plus depuis des années, Jim et moi. Et il a fallu qu'on trouve ce trésor, ce maudit trésor. Pourquoi vous êtes-vous jamais montré? Pourquoi? J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression que, qu'au cours de ces dernières années, j'ai vécu une sorte de cauchemar. L'éternelle solitude. Nous aurions pu vous aider. M'aider? Moi, un assassin. Ne perdons pas de temps. Pour moi, c'est fini. Et bien fini. Mais vous, vous devez partir sans perdre un instant. Partez tout de suite, quittez cette île. Mais comment? Prenez la chaloupe des pirates. Pourquoi la chaloupe et pas le bateau? Il n'y a plus de bateau. Il n'y a plus de bateau? Il n'a pourtant pas coulé. J'ai pas le temps de vous expliquer. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je connais notre position exacte et tous les courants des mers australes. En longeant la côte, en se laissant dériver de la pointe sud. On doit croiser la route des steamers. Il faut compter 2 jours au plus. Cette saison, vous n'avez rien à craindre. Et maintenant, faites vite. Prenez la chaloupe. Allez. Allez. Thank you.
nous faut remercier le Seigneur. Il nous faut le remercier doublement parce que si en premier lieu, sa toute-puissance et son infinie miséricorde ont bien voulu guider les pas maladroits de nos enfants à travers ces périls innombrables, nous devons le remercier aussi de nous avoir envoyé cette épreuve qui nous rappelle à l'humilité et à l'obéissance à ses commandements sacrés. Mais je m'en voudrais, en ce jour de fête et de réjouissance, de ternir notre joie en prononçant un trop long discours. C'est pourquoi notre chère Madame Weldon et les dames patronesses ont préparé quelques divertissements et un goûter d'honneur auquel je me fais un plaisir de convier nos hôtes après avoir salué nos jeunes et trop impétueux voyageurs. Chantons un cœur à nos lendemains.